Comment fais-tu si tu as des conflits, des désaccords avec quelqu'un? J'essaie d'en parler en premier avec la personne, puisque vraiment ça va pas, je vais voir un encadrant. Ebenezer Lausanne accueille des personnes adultes en situation de handicap ayant une déficience intellectuelle. L'institution soutient l'inclusion et la participation des bénéficiaires au sein de la société à travers différents projets. L'un de ces projets est une enquête de satisfaction. Ce projet a été mené en 2021 par une équipe d'enquêteurs volontaires composée de bénéficiaires. Ils ont reçu une formation pour réaliser des interviews. Après, ils ont mené une série d'entretiens auprès d'autres bénéficiaires. L'équipe des enquêteurs partage avec nous son expérience du projet. Alors pour faire cette enquête de satisfaction, j'étais déjà motivée parce que je voulais savoir ce que c'était. Parce que je ne savais pas du tout dans quoi j'allais m'entraîner. Je pensais que ça allait être plus difficile, mais j'ai trouvé que c'était assez cool. Et puis, c'est vrai que les interviews étaient très, très intéressantes. Et de connaître les opinions de chacun, c'était assez cool, vraiment. C'était vraiment... Ça m'a beaucoup plu d'être enquêtrice, en fait. D'aider les autres. Ça m'a fait... Du bien, de me dire Vanessa, tu vas être enquêtrice et tu pourras aider les autres. Et puis j'ai bien aimé avec les autres enquêteurs et puis enquêtrices, parce qu'il y en a beaucoup, on est plus de femmes que d'hommes. Et j'espère qu'on pourra améliorer quand même quelque chose de ce que les gens ont dit et qu'on pourra en parler quand on aura ces réunions avec toutes les personnes. Et j'espère qu'on pourra quand même améliorer des choses. Ils donnent leurs idées, ils apportent des solutions. C'est enrichissant, comme on dit. Ça peut nous donner aussi... d'autres avantages au niveau de l'institution. Et puis que ça puisse mieux aller dans les groupes ou au travail. Qu'on s'entende mieux, qu'il n'y a pas autant d'engueulades ou alors de pleurs.